dum da dum 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 da dum dum da da dum da dum 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 da dum 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 da dum dum. There's a place I'm going, you no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying we and where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. You take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Well, it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum 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 da dum 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 da 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 dum dum da da dum da dum 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 da dum 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 da 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 dum. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Ouais, super. J'en ai marre, le logiciel Iram. Ah voilà, c'est bon, on y arrive. Et bonsoir Internet. Coucou les coucous, comme on dit dans le milieu. Pourquoi c'est si fort? Calme-toi, voilà. Bonjour, alors apparemment, il y a des gens qui n'ont pas encore de vidéo. Écoutez, que puis-je vous dire? Pourtant, on est là. Apparemment, ça fonctionne sur Facebook. Ça fonctionne sur YouTube. On est un peu en retard sur YouTube. Attention, là, on arrive sur YouTube. Attention. Ouais. Attention. Et écoutez sur mademoiselle.com, le site web internet de l'univers. Sur lequel nous travaillons. Exactement. Je ne m'entends pas. Est-ce normal? Tu ne t'entends pas. Non, c'était pas normal. Un, deux, un, deux. Es-tu bien branché? Je ne m'entends pas trop. Un petit peu, mais pas trop. C'est parce que tu es très basse. C'est pour ça. Et moi, extrêmement fort. Voilà. Ah, la vidéo arrive sur le site internet de Mademoiselle. On va peut-être pouvoir commencer cette émission. Ça serait cool. Est-ce que le chat YouTube nous dit oui, c'est bon, il y a... Ouais, ça a l'air de fonctionner. Écoutez, bonsoir, je suis Louise. Et ce soir, j'accueille Lucie. Lucie Cosmala. Coucou Internet, comment ça va? On a gardé le fond avec les... Flamant rose. Je cherche ce là. Les éléphants roses, non, ça marche pas. Et ce soir, on vous fait une petite petite surprise. Une petite douceur. Oui, exactement, une petite douceur. C'est ça. Voilà. C'est ça, exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire oui, alors vous nous avez teasé des histoires, tout ça. Bah oui, parce que Lucie, chez Mademoiselle, s'occupe d'énormément de choses, dont la littérature et la musique et le Snapchat. Et ça fait énormément de choses. Et le café. Non, je ne sais pas. Oui, alors, explique-moi pourquoi tu as décidé de venir faire un live ce soir. Pourquoi suis-je là ce soir? Parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et c'est le sujet avec lequel je suis rentrée par Mademoiselle en 2015. Donc, un pipi, une histoire et au lit avec Lucie, eh bien ça va être... Oula, je donne des coups dans le micro, tu vas bien. C'est la fougue. Parce que j'ai envie de vous parler de littérature jeunesse, oh yeah, de livres pour enfants. Donc parce que en 2015, encore une fois, je suis arrivée chez Mademoiselle avec l'envie de faire découvrir cette littérature
qui est pour moi une de l'art en fait à part entière. Et j'ai un petit peu délaissé, à mon grand regret, cette partie de mon travail. Et on s'est dit, allez, et si on faisait une petite émission tranquille, exactement, ensemble, où je vous présente des livres. Parce que comme ça, eh ben, non seulement vous pouvez découvrir pour vous, parce que moi j'ai envie de vous donner envie d'avoir des livres pour enfants dans votre bibliothèque, voilà. Et aussi parce que en fait des enfants, ben on en a en général autour de nous, que ce soit des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, des nièces, des neveux, tout ce que vous voulez. Je pense aussi à ceux qui travaillent avec les enfants, donc les instits, mais voilà, les orthophonistes ou que sais-je. Même, je sais pas si vous êtes coiffeuse, peut-être que vous allez avoir envie d'avoir des livres pour enfants de ouf, dans votre salon. J'aurais trop aimé avoir ça. Pendant que voilà, pendant que le petit attend que maman se fasse faire le brushing, et ben il peut avoir des livres pour ceux qui travaillent dans les centres aérés. Enfin. Pour moi, le livre jeunesse, vraiment, il est accessible pour énormément de gens dans énormément de situations très, très différentes. Élise est sur le chat, elle commence à mentir. Elle me dit « Oh, Lucie, tu mens pour le café. Écoute !» Oui, c'est vrai, j'ai menti. Pas grave, on ne t'en veut pas. Non, c'est pas grave. Et donc, ainsi voilà. Car, puisque Lucie faisait des vidéos, fut un temps, pour parler de livres jeunesse, oui. Mais qu'on a eu une équipe réduite en termes de vidéos dernièrement et que c'était compliqué pour toi de mettre dans ton emploi du temps la littérature jeunesse, on a dit ok, on va faire une demi-heure, 40 minutes, on ne sait pas encore de live. Ça va être très expérimental pour, ce soir. Pour tester et pour, bah, justement pour faire découvrir tout ça aux gens. Et comme ça prend une demi-heure. Vous avez un petit podcast avec de quoi lire des petites histoires oui. Pour vous le soir ou pour les enfants qui vous entourent, comme vous voulez. Exactement. Et on va commencer. Alors j'ai eu envie en fait de commencer avec trois livres. Je pense qu'on va partir sur trois livres par émission. On va voir, on va adapter. Et pour commencer en fait, j'ai eu envie de vous présenter notamment deux albums. Je vais surtout me concentrer sur les albums jeunesse, qui pour moi est la part de la littérature jeunesse la plus méconnue en fait, la moins connue en fonction, voilà, comment on a envie d'utiliser la langue française. donc les deux premiers livres que je vais vous présenter, pour moi c'est, comment dire, c'est des livres qui redonnent un peu foi en l'humanité, qui font voir la vie d'une manière un petit peu plus belle, oh, voilà. Si. Je me disais que pour commencer, ben, ça serait plutôt cool. Et le troisième livre va plutôt s'adresser à des gens qui sont intéressés par tout ce qui est création, parce que pour moi, en fait, donc je le dis, ça va être une BD. Et pour moi, c'est une BD qui remet complètement en question la notion même de BD. Alors c'est un peu un télo comme ça. Oui, ce livre est un petit peu un télo. Et pourtant, il est pour enfants. Et moi, j'ai trouvé ça fou qu'on puisse faire des choses comme ça pour les enfants. Donc voilà, on va partir sur ces trois petits livres. Alors n'hésitez pas si vous voulez réagir. Donc on a le chat YouTube en direct, on a aussi les commentaires Facebook et on est sur Radio Mad, notre web radio. Et donc si vous voulez réagir parce qu'il n'y a pas de chat sur Radio Mad, vous pouvez utiliser le hashtag Mad en live sur Twitter que je vais de ce pas aller regarder. Et donc Lucie, quel est le premier livre que tu vas nous présenter ? Je vais chercher dans ma besace. Non, je vais regarder. Alors, est-ce que tu changes la caméra ou pas, du oui, coup attention, écoute, parce que, oh là là, on a mis les petits plats dans l'écran. Alors, le premier livre que je vais vous présenter s'appelle Norton et Alpha, comme vous pouvez peut-être le lire juste ici, de Christina Litton. Alors, c'est génial parce que, en général, je ne sais pas prononcer le nom des auteurs, donc excuse-moi, Christina Litton, si je prononce mal ton nom. Et c'est paru aux éditions Little Urban, qui est pour moi une de mes maisons d'édition préférées en termes de jeunesse, parce que. Pour moi, c'est toujours très moderne. Et en plus, il y a souvent des petits messages sympas. C'est assez absurde. Enfin, il y a plein de choses très très cool. Et alors donc, c'est parti pour découvrir Norton et Alpha, oui, qui en plus est un livre qui est beau, enfin qui est très moderne dans ses illustrations et que je trouve tout doux et très beau. Alors, faisons la connaissance de Norton. Qui est Norton? Norton est un petit robot. Alors. Dites-moi si vous voyez bien, parce que c'est pas forcément facile. On fait vraiment des tests en termes de... J'ai pas été Miss Météo dans ma vie. En termes de lumière, tout ça, c'est un peu... Voilà. On fait des tests. Donc Norton est un petit robot qui adore collectionner plein de trucs dans sa vie, parce qu'il trouve ça toujours très très utile. C'est un inventeur, donc il crée des machines à partir de ce qu'il trouve. Donc vraiment, il va les chercher absolument partout, dans les tuyaux, partout. Et alors, il est vraiment fan de tout ce qui lui est utile dans la vie. Et un jour, il trouve un truc, il ne sait pas trop à quoi ça sert. Et grâce à son intelligence et à sa débrouillardise, il va en faire un petit compagnon. Voilà, un petit chien. Juste ici. Trop chou. Trop mignon. Alpha, donc. Alpha.
Et donc avec Alpha, ils vont former une team de folie pour aller dénicher encore plus d'objets trop trop bien. Donc voilà, Alpha l'aide à aller chercher des objets. Il les déterre parce que c'est un chien. Il creuse, il se glisse dans les tuyaux parce qu'il est fort. Et un jour, dites-moi si je vais trop vite aussi, hein, parce que j'ai jamais eu d'enfant. Donc j'ai jamais raconté d'histoire, si j'ai déjà raconté des histoires des enfants, mais je sais que parfois je vais trop vite. Voilà. Donc un jour, avec Alpha, ils trouvent cette chose-là, ici. Une plante. Et ils savent pas ce que c'est. Oh my god. Ils en ont jamais vu. C'est une espèce de tige-là, avec des machins rouges, ils savent pas. Et alors, Norton, il est trop fan, il adore. Il fait, mais qu'est-ce que c'est? C'est génial. Vraiment, il en prend soin, il la déterre, hein, parce que voilà, c'est dans la terre, il la déterre du mieux qu'il peut. Et donc, sur le chemin du retour, il prend toutes les dispositions pour vraiment que cette petite chose soit entière, quoi, au moment où il le ramène. Et alors, il lui fait subir tout plein de tests, hein, parce que Norton, c'est un scientifique, tu vois. Il a envie de savoir à quoi ça sert, il a envie de savoir le pourquoi du comment et comment il va pouvoir l'utiliser au quotidien. Sauf qu'il a beau faire 1000 tests de branchement électrique, de rayon X, de machin, il ne comprend pas. Et du coup, bah ça le saoule. Il trouve que ça n'a plus d'intérêt, il le jette par terre. Il le jette dehors. Interesting. Alors, il y a des intempéries qui vont obliger donc Norton et Alpha de rester chez eux pendant plusieurs jours. Ensuite, il va faire trop chaud, donc ils ne vont pas avoir envie de sortir non plus. Ils préfèrent rester dans le frigo, hein, ce que je peux comprendre. Ok. Bon, après, Norton, il a beau être malin, et le concept de ventilateur, quand même, il faudrait qu'il apprenne. En termes d'écologie, on n'est pas dessus, mais... C'est clair. Et un jour, c'est bon, le temps est plutôt bon. Et ils se disent, bon, bah, voilà, ils vérifient bien que leurs rouages sont bien, tu vois. Et ils décident de sortir. Alors attention, parce que là, on est sur le spectaculaire. Okay. Donc, ils ouvrent la porte, et je vais ouvrir la porte avec vous, les petits chats. Regardez-moi cela, comme c'est beau. Oh my god. C'est trop stylé. Voilà. Et donc, bah, dis donc, ils s'y attendaient pas. Ah bah. Et bah, du coup, alors, la fleur, ils appellent le ça. Et donc, ils gambadent dans les champs, ils adorent, ils en prennent plein. Et Norton finit par savoir à quoi ça lui sert, cette petite plante. Oh, attention. Ça lui donne envie de sourire. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Alors, est-ce que ça te donne pas un peu envie d'aimer la vie, d'embrasser la vie à chaque instant? Ça y est, je souris. Je suis joie. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que... Bah, ça remet, ça fait vraiment réfléchir sur la question d'utilité dans la vie. C'est vrai qu'on a un peu tout le temps l'impression qu'il faut que tout soit utile. Quand t'achètes un truc juste joli, il y a des gens qui vont te dire « mais ça te sert à quoi ?» et tout, « pourquoi t'as dépensé de l'argent pour ça ?» et tout. Bah juste, ça rend heureux, voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne raison, c'est vrai, je trouve, dans la vie. Joli, le beau peut quand même... servir dans un endroit moche, hop, une fleur, ça marche. Bah ouais. Puis voilà, ça donne envie de sourire et ça rend les gens heureux. C'est voilà. Trop chou. Est-ce que tu peux donner les références? Je le mettrai sur l'article, bien sûr, mais donc pour les gens qui écoutent en podcast. Norton et Alpha de Christina Litten, L-I-T-T-E-N, chez Little Urban. Et donc c'est elle qui a écrit et. Illustré, ouais, illustré. Elle a tout fait. Ok. Et oui, les auteurs jeunesse sont des gens polyvalents et jolis. Et voilà. C'est trop cool. Voilà. C'était le premier. C'était le premier livre. Ok, jingle pour le deuxième. Elle va chercher dans sa hotte. Alors, le deuxième n'est pas encore sorti. Voilà, il n'est pas encore sorti en librairie. Il sort dans 3 jours, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais quand je l'ai lu, en fait, je l'ai lu il y a quelques jours. Et quand je l'ai lu, j'ai fait, ok, il faut absolument que je le présente pour cette émission parce que c'est exactement ce qui va vous plaire, ce qu'on a envie d'avoir comme message... dans la Lité Jeunesse. Alors, ça s'appelle cool. Adèle, comme le prénom Adèle. Mm-hmm. Oh, la cover est trop belle. Est-ce que... C'est dans le bon sens, génial. Ouais, j'allais dire, ça fait les flamants roses sur le vert, ça marche pas trop. Ça fait un petit style. Donc, de Bérangère Marilère, M-A-R-I-2-L-E-R, et c'est paru aux éditions Maison Elisa, qui est une toute petite maison d'édition qui fait des choses magnifiques, mais vraiment magnifiques. Je vous invite à aller voir leur travail, qui n'est pas très très connu, mais qui est absolument... Enfin, je sais pas, j'adore en termes d'illustration, c'est très moderne et c'est
très très beau, c'est complètement dans l'air du temps. C'est... Allez voir. Alors, Adèle, en exclu, hein, faites partie des premiers à lire ce livre. Les illustrations sont vraiment trop belles, quoi. Et tu vas voir comment le propos est beau, Louise. Tu vas le voir, d'accord. Tu vas le voir. J'ai trop hâte. Alors, Adèle, comment dire, c'est un peu la personne qu'on voit dans la rue et qui est un petit peu intrigante, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est. Et voilà, elle danse à moitié dans la rue, elle a l'air un petit peu à part. Oh, on dirait vachement Emmanuel Macron, tu trouves pas? Non? Ah, il y a un truc. Ah, il y a un truc, hein. Pardon. C'est le... Écoute, voilà. C'est les événements récents. On est dans l'actualité. Donc voilà, Adèle apporte des chapeaux un peu chelous. Les gens, ils trouvent ça un peu bizarre. En forme de serpent. De serpent, hein. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, je crois. Alors... dans The Island, hein. Je crois complètement dans The Island. J'adore cette ref. Je regarde beaucoup trop jeunesse. The Island. Mais attends, mais c'est un vrai serpent ou pas? Écoute, c'est pas dit. Okay. Il y a marqué, on dirait des animaux. On sait pas trop. Okay. Peut-être que c'est un vrai, vrai serpent vivant. Hein. Moi, j'ai envie de croire que c'est un vrai serpent vivant. Mais en tout cas, ça a l'air de très bien la protéger de la pluie et c'est ce qui compte. Hein. Alors, elle va dans les parcs, elle parle toute seule. Voilà, on sait pas trop pourquoi elle est là. Très bizarre. Elle chante faux. Dès le matin, comme ça, parce que elle fait bien. Elle fait bien. J'adore chanter faux. Et sauf que les gens, ils sont pas très très. Pas, je sais pas, ils la trouvent un petit peu bizarre. Alors, je pense que Fab est sur le compte de Mademoiselle et il dit sur le chat, le mec est en marche, donc c'est Macron. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que Fab nous a fait à peu près 1 million de blagues sur En Marche. Je pense qu'on en a fait à partir de 10h. C'était moi à partir de 10h, j'en avais déjà marre de cette ref. Mais bon, je pense qu'on est parti pour 5 ans. C'est la vie. Donc voilà, Adèle, elle est étrange. Elle danse toute seule. Elle embrasse les statues. Elle offre des fleurs aux malotrus. Alors le texte est très très beau. C'est vrai que je vous le lis pas, mais le texte rime en fait. Ok. Enfin, en partie. C'est très rythmé. C'est super beau. Voilà, elle dessine. Elle se fait des coiffures en forme de nuages parce que voilà, peut-être qu'elle a le volume adapté. Moi, je ne peux pas. Que nous, on n'a pas. Hein, et je la jalouse un petit peu. Voilà, c'est dit. Et donc, à partir d'encore... Il est encore et, là. Excuse-moi, il y a quelque là. Chose. Il y a quelque chose. En plus, ce petit costard, là, on est clairement dans une référence. Bref, c'est ça aussi, la littérature jeunesse. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est vraiment ou pas? Non, plutôt François Hollande. Et alors, donc, revenons. Ah, écoutez, c'est la fin de journée. Hein. Donc voilà, donc les gens ils sont là, mais vous l'avez vu et tout. Et ça la rend un petit peu triste, Adèle, parce qu'elle se fait juger. Elle aime pas trop ça. Mais bon, elle se laisse pas abattre non plus. Elle continue de vivre sa vie. Elle a bien raison. Surtout que, bah, on découvre que, ok, Adèle, elle est dans son truc. Mais Martin, eh ben, lui, le matin, il aime bien dépareiller ses chaussettes. C'est son petit truc à lui. Tu vois? J'aime bien. C'est un peu comme ton style de chaussettes avec les cousinos. Parce que moi, je ne les dépareille pas. S'il te plaît, ne commence pas à lancer ce genre de rumeurs sur Internet. Elles ne sont pas dépareillées. Je dis juste qu'elles sont originales et jolies. Merci. Merci pour cet hommage. Ça me fait très plaisir. De rien. On a Gustave aussi. Bah, Gustave, il adore. Il a une petite tête, mais il adore porter des grosses lunettes. C'est son truc à Gustave. Ok. Ok. J'aime bien Gustave. Bah ouais. Il y a Héloïse. Alors, Héloïse, elle aime bien l'accent polonais. Donc, parfois, elle fait comme si elle était polonaise. Elle fait un peu comme Margot. Quand Margot imite sa grand-mère polonaise, elle prend l'accent polonais. C'est vrai. Ça marche très bien. Sauf que Margot a des origines polonaises, que Héloïse n'en a pas. Ah. Mais elle a envie. Voilà. Et Alice. Alice, elle se balade avec un perroquet sur l'épaule. Parce que pourquoi pas? Trop bien. Qu'est-ce qui l'empêcherait de se balader avec un perroquet? Ou Honoré, qui a envie de faire du musical et qui s'habille tout en bleu mentalo. C'est lui. Pourquoi pas? C'est finalement, plutôt stylé, cela dit, le bleu mentalo. Finalement, ce que nous dit le livre, c'est que, inutile de lutter, Adèle s'est glissée un peu partout, en chacun de nous. Ah, oh, trop chaud! Eh oui, on a tous une part d'Adèle en nous. Oh my god. Est-ce que c'est pas un trop beau livre sur l'acceptation et si. Faites ce que vous voulez de votre vie et alors, soyez comme vous avez envie d'être? C'est quoi ton côté, Adèle? Attends, j'ai envie de chanter Never mind, I'm fine. C'est peut-être ça mon côté Adèle d'ailleurs. Cette capacité à avoir envie de chanter chaque instant de ma vie et de faire de ma vie une grande comédie musicale à chaque instant. Ah, ça oui. Oui. Exactement. Et toi, c'est quoi ton côté Adèle? Danser étrangement quand il n'y a pas de musique. Oui, j'aime bien aussi. C'est
Quand il y a de la musique aussi, hein, cela dit, je danse étrangement, mais ça m'arrive de danser sans musique. Parce que le rythme est dans ta tête, tu vois, tu te fais ta petite musique personnelle, et ça te rend heureuse, c'est et ça. C'est super. J'ai un groupe de jazz dans ma tête. Un peu party, un peu naze. Et vous, le chat, dites-nous quelle est votre part d'Adèle dans la vie, hein, et revendiquez-le surtout, c'est ça que nous dit ce très très beau livre. Ah bah pardon. Il est où ? Il est là. Adèle de Bérangère, Marie-Lère, Marie-Le, je ne sais pas, j'écorche les noms parce que je n'ai aucun respect. Aux éditions Maison Elisa, donc Maison plus loin, Elisa, L-I-Z-A. Très très beau livre qui sort dans quelques jours, voilà. N'hésitez pas à aller le feuilleter en librairie parce que c'est ça qu'on aime. Oh, oh, oh. Alors, pour les gens qui nous rejoignent en cours, parce que je vois sur Facebook des gens qui disent « Oh là là, Zoé, elle dit oui, quand on arrive au milieu de la vidéo, c'est compliqué de comprendre. » Eh ben, il faut arriver à l'heure déjà. Et ensuite, donc on fait un live avec Lucie qui nous présente de la littérature jeunesse. Alors là, c'était deux albums et le troisième livre, ça sera une bande dessinée. Et donc, c'est coup de cœur personnel puisqu'elle reçoit énormément de livres et notamment énormément de livres jeunesse. C'est vrai. Puisqu'elle chronique aussi pour France Inter, pour Là tu es mon petit loup. Et oui, je place ça comme ça. Vous pouvez aller liker sa page, Lucie Cosmala. Et oui, peut-être que le livre de dimanche, c'est comme moyen que ça soit Norton et Alpha. Voilà. Exclusivité. Effectivement, il y a quelqu'un qui me dit qu'il m'aime et voilà, sache que je t'aime aussi, tout simplement. Je vous aime tous. Ah, c'est Diane. Ah, Diane. Oui, je connais bien Diane. Très bien. Est-ce que c'est Diane aussi de Snapchat et tout hein, peut-être. Oui, c'est possible. C'est très possible. Ok, très bien. Ça, c'est un communiqué de presse. Donc Alors, la BD que je vais vous présenter s'appelle Imbattable. Donc, non seulement c'est très bien, mais là, en plus, je m'adresse aux gens qui aiment un peu réfléchir sur tout ce qui est narration, en fait, et notamment dans la bande dessinée. Imbattable, c'est un super-héros. Alors déjà, c'est Imbattable de Pascal Jousselin. J-O-U-2-S-E-L-I-N. C'est le premier tome qui s'appelle Justice et légumes frais. Voilà. Et c'est paru là, des sacs avec des poireaux. Chez Dupuis, qui est la maison d'édition de Spirou. Et d'ailleurs, okay. C'est une BD qui est parue dans le journal de Spirou, en fait. Parce qu'ils font souvent ça, Dupuis. Voilà. Ok. Est-ce que je passe à la scène livre où oui. On voit le livre ? Vas-y. Alors. Ouh, magnifique. En fait, ça va être. Je vais pas vous le présenter comme les autres albums. Enfin, je vais pas vous le raconter, mais je vais vous montrer le concept. Donc, Imbattable, c'est un super héros qui a un super pouvoir assez particulier. C'est-à-dire que il rentre dans la BD. Comment vous dire ? Il arrive à anticiper les choses parce qu'il voit dans les cases qui suivent ce qui va se passer. Oh bordel ! Du coup, il arrive à anticiper, il arrive à aller de case en case pour gérer les malfrats. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer. Désolée pour ceux qui nous écoutent sur Radio Mad, parce que je pense qu'avec les visuels, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Alors je vais prendre une page assez assez visible. Donc par exemple, alors attendez, je me demande si je vais pas prendre à la main la webcam parce oui, que tu peux. Ça va être plus simple. Attention, pardon. Alors attends. Alors attendez. Bonsoir. Bonsoir Paris. Hop. Ok, merci. Alors, ok, très bien. Pardon, si je vous donne un peu le mal de mer, alors je ne maîtrise pas encore. C'est des, je vais y arriver, des petites histoires sur chaque page. Ou c'est oui. Un truc enfin, il y en a. En général, c'est une histoire par page, mais il y en a qui s'étendent un petit peu plus. Mais okay. Effectivement, c'est plutôt une page d'histoire. Donc, par exemple, là, on a Imbattable qui est appelé à l'aide par une mamie parce que son chat est dans l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Imbattable ? Bah, comme vous le voyez, il va aller chercher le chat dans la case d'en dessous. C'est très con. Mais en fait, ce qui est brillant, c'est que il arrive à tomber sur ses pattes dans chaque case. C'est-à-dire que, ok, là, il va chercher le chat, mais il se passe quand même des choses dans les cases d'après. Et parfois, ça prend des proportions mais absolument hallucinantes. Je ne sais pas si je vais vous trouver un endroit, mais voilà, dès qu'il y a des bagarres, mais c'est incroyable parce que... Il va faire des trucs. Parce qu'il peut voir dans les cases suivantes, ouais. Mais aussi réagir dans les cases d'avant. Ouais, complètement. Formidable. Il arrive à remonter. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il donne des coups de balai en dessous, il se dédouble à moitié. Enfin, il se dédouble jamais parce qu'en fait, il est jamais comme. Il y a toujours un seul lui dans chaque case, quoi. Je suis désolée pour ceux qui nous écoutent. Hein. Enfin, vous devez rien comprendre. Venez regarder les vidéos. Mais
mais je trouve ça brillant, et d'autant plus brillant de faire ça pour les enfants, parce que j'aime bien en fait quand on prend les enfants pour des gens intelligents, voilà, ce qu'ils sont, effectivement, et je peux vous en montrer plein d'autres, mais c'est fou, voilà, là il lance... Ah oui, alors là, c'est pour se rappeler qu'il doit aller acheter du pain pour sa grand-mère. Donc il reçoit un petit avis en papier qu'il s'est envoyé dans la dernière case, quoi. Et finalement, il arrive quand même, tu vois, c'est qu'il arrive quand même avec le... Enfin, c'est, une fois c'est qu'il fou. A acheté le pain, il s'envoie un... Ah ouais, non mais parce qu'il sait qu'il va oublier, enfin, c'est... Ton cerveau fait des tours, il fait des triples saltos quand tu lis cette BD, quoi. T'es en mode, what ? Voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un super-héros qui fait un peu de la merde aussi, voilà, donc... Là, il faut qu'il lâche l'encre. Formidable. Sauf qu'il lâche l'encre dans la case d'en dessous. Voilà. Ah, c'est cool, j'adore. C'est incroyable. Non, mais ça doit être ultra compliqué à réfléchir comment tu organises ton truc. Déjà, faire une BD, je n'imagine pas à quel point c'est complexe. C'est clair. Mais alors, faire une BD où ton personnage fait des trucs en fonction de ce qu'il y a dans 4 cases plus loin, c'est encore plus ouf, quoi. Puis j'adore les trucs qui sont des réflexions un peu sur la narration, qui... Surtout qu'ils viennent te rappeler que t'es en train de lire un livre. Enfin, je trouve ça fou. Là, par exemple, il faut qu'il vide une piscine, et ben, il va chercher un tuyau dans le grenier. Enfin, c'est... c'est fou. Voilà, c'est fou. J'étais complètement hystérique quand j'ai lu cette bande dessinée. Hystérique, vraiment. Voilà, donc c'est Imbattable de Pascal Jousselin. Bravo Pascal, vraiment, tu es devenu mon héros, hein, très sincèrement, parce que faire un truc aussi... aussi intelligent. C'est pareil, c'est scénarisé et en plus dessiné par lui. Eh oui. Les gens talentueux, hein, c'est dingue. C'est clair. Alors quelqu'un demande, et d'autres tomes de ce héros sont prévus ? Alors j'espère. S'il y a un tome 1, on peut espérer qu'il y ait un tome 2. Ah merci, je peux poser. Je voyais bien que tu étais en train de trembler. Oui, parce que je vieillis, hein, tout simplement. Voilà. Eh bien, je suis contente d'avoir présenté ces trois bouquins parce que j'ai eu la sensation que ce sont des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué à être confronté dans sa vie. C'est vrai, c'est très cool. En tout cas, vraiment, Imbattable, ça a l'air formidablement drôle. En plus. Mais c'est trop bien que ça soit paru d'abord dans Spirou. Ouais, mais le journal de Spirou, il y a beaucoup d'adultes qui sont aussi abonnés parce que c'est génial. Ouais. Enfin, il y a plein de BD. J'avoue que moi, quand j'étais petite, j'étais abonnée. Puis bah, je sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais peut-être que tu as eu moins d'argent. Peut-être, c'est possible. Mais vraiment, c'est une mine d'or le journal du Spirou en termes de BD. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est comment dire, il y a beaucoup d'adultes hein, qui lisent de la littérature jeunesse, qui lisent des BD jeunesse. Et voilà, le journal du Spirou, on est vraiment un super bon exemple. Où tu sais, les parents ils font genre non, mais c'est pour mon fils et ma fille hein, que je suis abonnée. Et puis après, il va dans les toilettes, il va le lire. Ça va quoi, ça va. Non, on connaît, hein, c'est on comme Tom et Nana. Hein. Ok, on nous la fait pas. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas tous partis quand vous avez vu que c'était de la littérature jeunesse. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Non, please don't. N'hésitez pas. Les gens avaient l'air plutôt contents en tout cas. N'hésitez pas à nous faire des retours sur la disposition, sur notre équipement, sur ce que vous avez envie de voir. Je ne sais pas. Enfin, allez-y, voilà. Lâchez-vous. Donc en on rappelle de que feedback. On rappelle que c'était donc un premier test. Je m'entends très mal, c'est très bizarre. Bref, on rappelle que c'était donc un premier test, que Lucie a envie de parler de littérature jeunesse, ne mâchons pas les mots, oui. Très régulièrement sur Mademoiselle, et donc je pense que ce format live peut être très cool. Donc là, on s'est dit, trois livres, on va voir combien de temps ça dure, si ça dure une demi-heure, c'est cool. Mais en fait, ça passe vite de lire les livres et tout, c'est et du vrai. Coup, je me dis, peut-être qu'on pourrait en faire, je sais pas, 5 la prochaine fois. Je ne sais pas, écoutez, dites-nous si vous en voulez plus. Alors, c'est marrant parce qu'en disant ça, je pense que tous les gens vont dire bah oui. En tout cas, voilà, c'est un format court qu'on essaye sur Mad parce que d'habitude, vous avez des émissions d'une heure et demie. Écoutez, on fera une demi-heure, 45 minutes. Ouh, Cassia, moins d'une heure. Hein, vous êtes content? J'espère que vous êtes content. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, merci déjà pour vos retours sur le chat, c'est très cool. Ouais, c'est cool de vous lire en même temps. Et ça me fait plaisir. Et Lucie, on les tient au courant de quand tu reviens. Oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du titre de l'émission, parce que c'est moi qui l'ai trouvé, j'en suis très fière. Moi, je suis ultra fan du titre de l'émission. Même s'il manque
je me dis quand même, les dents, ça aurait été bien. Tu vois, un pipi, les dents et au lit. Un pipi, un dent, les dents, un bisou et au lit. Bon. Ouais, mais et... du coup, il n'y a plus l'histoire. C'est vrai qu'il n'y a plus l'histoire. Bon, bref. Parce qu'à la base, c'était un pipi, les dents, une histoire et au lit. C'est un peu long, hein. Mais c'est, ça peut être rythmé aussi. Mais un c'est pipi, vrai. Une histoire et au lit, c'est... C'est vrai que c'est... Ça claque, tu vois. Avec Lucie, en plus. Hop, petit film. C'était prédestiné, moi, je pense. C'était prédestiné. Oui. C'est beau. On commence à parler doucement, parce que là, les gens, ils vont aller dormir. On va faire de l'ASMR. C'est ça. Mais non, parce que tu vois, on a lu une histoire. Donc maintenant, les gens, ils vont se mettre sous la couette. Et puis, ils vont doucement dormir. C'est trop bien. Et est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Est-ce qu'on pourrait pas... Alors, écoutez, je discute actuellement. Je brainstorm en direct. Brainstorm, hein. D'habitude, c'est le vendredi, mais non, là... mais en attendant, c'est vrai. On peut c'est demander l'avis des gens en direct. C'est cool. Est-ce qu'on pourrait pas faire... tu racontes vaguement l'histoire, mais sans lire ouais. le texte. Mm-hmm. Et genre, le dernier, tu le lis en mode... une histoire et au lit. Est-ce que tu veux que je te le lise en délivre? Tu vois, j'ai... Je sais pas. Non, peut-être que ça va trop faire trop. Je ne sais pas. Mais j'aurais pu lire, par exemple, Adèle, tu vois. Ouais. Mais la prochaine fois, peut-être. La prochaine fois. Les gens, ils veulent toutes les deux semaines, carrément. All right. All right. Calmez-vous. Calmez-vous. Faut qu'elle ait le temps de lire les livres, tout ça. Oui, il faudrait que j'aille récupérer ceux qui dorment chez mes parents aussi. Oui, ça aussi. Là, je vous ai vraiment présenté des nouveautés. C'est-à-dire que bah, y en a un qui n'est même pas sorti. Imbattable, vraiment, c'est une parution très récente. C'est Norton et Alpha aussi. Je ne me priverai pas de vous parler d'autres livres plus anciens aussi. Parce que j'ai aussi très envie de vous montrer des styles d'illustration différents. Que ce soit, je ne sais pas, le papier découpé ou des choses comme ça. Peut-être que je vais vous ramener des pop-up. Ouais. On sait pas, voilà. Trop bien. Donc j'aime bien, je pense que je vais un peu ouais, varier et à la fois vous montrer des choses qui viennent toujours de sortir et des trucs intemporels. Plus... Okay. Ouais. Enfin, c'est toujours intemporel, mais voilà. Des livres bien. En tout cas que moi j'adore. Voilà. Je suis trop contente de faire ce nouveau format avec aussi toi, Lucie. C'est trop bien. J'espère que vous avez aimé et, et qu'on se retrouve bientôt. On n'a pas encore choisi de date pour le prochain live, mais écoutez, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez ça dans une semaine ou deux. Non, je rigole. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a vraiment, j'ai plus de place. Les gens me disent tous les soirs, alors j'aimerais avoir une vie, comme je vous aime très fort, mais j'ai aussi besoin de dormir. Voilà, tout simplement. Ça arrive. On va se quitter. Qu'est-ce que j'ai choisi pour qu'on se... Le hypnotaire ? Non, désolée. Désolée, j'ai choisi genre une de mes sessions préférées du coup. Okay. J'ai choisi Joe Bell avec le morceau, je sais plus si c'est Hit the Road, je crois que oui. C'est vrai que tu l'aimes bien celle-là. C'est oui, vrai. Je l'aime c'est bien. Vrai. C'est une de mes préférées. Merci encore de nous avoir suivis. Merci beaucoup, à très bientôt. Bisous. Bisous. I saw these rocks and here's things I've had to know. And then I saw through your shadow. I felt inside my veins like I had to go. Spaces dreamed by all wild and fake. Seeing the moon, they're just like you. And I gonna last, yeah, gonna last. I'm gonna hit the roads right till the morning is late. Until darkness is light, it's like you. And I gonna last, yeah, gonna last. I'm gonna hit the roads right till the morning is late. Until darkness is light. Then I went while that wind blew. I saw these rocks and fields I didn't know. And there I found my own hero. Oh, oh, I searched into my soul. I'm feeling so spaces. I'm dreaming about a wild and faces. Seeing the moon, oh, just like you. And I gonna last, we are gonna last. We're gonna hit the roads right till the morning is night. Until darkness is light, it's like you. And I gonna last, we are gonna last.
gonna last, another gonna hit the roads. Right till the morning is night, until darkness is light. It's like you and I gonna last, we gonna last, another gonna hit the roads. Alright, till the morning is night, until darkness is light. It's like you and I gonna last forever now. We're gonna hit the roads. The morning state until darkness is gonna hit the roads. Till the morning state until darkness gonna hit the roads. Till the morning state until darkness is gonna hit the road. Till the morning state until darkness is light.